Alors, bonjour à tous. Alors, c'est une lettre ouverte aujourd'hui à Serge Lama. Cet homme me touche. Je n'ai pas besoin d'avoir fait un texte pour lui dire, en fait, pour te dire, puisque je t'ai entendu dernièrement à la télévision et effectivement, je suis toujours touché par l'homme. Le chemin, la douleur qu'il t'a fallu traverser, et d'autres que je ne connais pas, bien entendu, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans la vie des personnes, mais voilà, tu es un homme de ce siècle, un homme qui aime le théâtre, un homme qui fait des chansons, et qui fait surtout des très très belles chansons, avec des textes assez incroyables. Moi, j'ai toujours été en admiration. Maintenant, tu es un homme. Donc, obligatoirement, pourvu de sens, et c'est très bien d'ailleurs. Et donc, ben, tu sais, tout ce qui peut être la jouissance d'un bon repas, d'un bon vin, du plaisir des femmes, enfin voilà. Mais voilà, c'est pour moi. Tu es dans ces générations, un de ces hommes tellement près de l'esprit par les poèmes, près de l'esprit par le théâtre, la composition, la création, l'exigence de justement dans ce travail, etc. Mais je pense, même si ça n'apparaît pas toujours, tu dois te poser des questions. Parce que tout ça, en fait, si on écoute un peu, enfin, beaucoup de monde, tout ça, de toute façon, à la disparition de ton corps, ça va être réduit à néant. Même à la limite, comme si tu n'avais jamais existé. Parce que de Gandhi, à part ses paroles, de lui, il ne reste rien. De Solzhenitsyn, pas plus. De César, c'était pas grave, mais plein d'autres personnes sur le monde, il n'en reste rien. Même pas dans le souvenir très 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 intéressant pour une personne, c'est l'histoire. Et je me demande si ça te gêne pas de rester dans l'histoire. C'est vrai que tu as un nom mondial. Tu es passé à la télévision, tu es apparu dans des dialogues, voilà. Donc tout ça, mais pourquoi? Alors, je ne sais pas, en vérité, si tu t'es intéressé véritablement à l'esprit au point de désirer connaître, enfin, savoir d'abord si on a un créateur, et deuxièmement, le connaître. Alors, bien entendu, le clérical peut être assez repoussant. Toute religion, normalement, devrait relier à Dieu, alors que il n'y a aucun besoin d'avoir quoi que ce soit pour se relier à Dieu. Il nous constitue. Ça, c'est un peu... C'est une imposition que je fais. Mais ben, on sait qu'on est constitué de matière, d'antimatière. Quand on a dit antimatière, on n'a rien dit. Et c'est la capacité quand même de mémoriser, de réfléchir, d'agir... et même d'amorisation, donc tout ça c'est plus les attributs de l'esprit plutôt que les attributs de la matière. Et en fait, qu'est-ce que la matière? Pour moi, c'est la concrétisation de l'esprit. Et la matière existe, on la connaît pour nous depuis 2 millions d'années, puisque l'homme existe depuis 2 millions d'années, l'univers depuis environ 14-15 milliards d'années. Mais est-ce que Dieu avait besoin de la matière? Il l'a faite pour un but. Et c'est là que je voudrais effectivement ouvrir une immense parenthèse. Est-ce que l'homme a une raison d'être? Est-ce que sa raison d'être, c'est simplement d'exister, de jouir de tout ce qui se passe, d'avoir même le bonheur d'avoir d'aimer, aimer une épouse, aimer des enfants, aimer des amis? Quoique tous ces amours-là, ils sont quand même avec des frustrations, avec beaucoup de choses qui sont approximatives. Mais de toute façon, on a eu les impressions d'aimer, et tout ça pour rien.
comme si on n'était jamais né. Et puis surtout, alors, toute cette création, c'est extraordinaire, le seul fait de chanter, d'avoir les gammes, les notes, et qu'avec cette note, on puisse obtenir tout ce que l'on obtient, les plus belles symphonies, agrémentées de silence, agrémentées d'allegretto, agrémentées de tout ce qui est l'image de la vie dans l'opéra, dans l'opérette, dans ben, tout ça, et ça serait venu comme ça, tout seul. Moi, il y a longtemps que je me suis posé la question, que j'ai eu la réponse, hein, comme Newton. Bon, lui, il ne regardait que le système solaire, mais on peut tout regarder. L'infiniment petit, l'infiniment grand, la chaleur, le froid, le reflet dans l'eau. Ben, tout est tellement extraordinaire. Et puis alors, la gentillesse du dauphin, le peu d'envie que l'on a de caresser un serpent, même s'il y en a qui le font. Ben, tout ça, c'est notre monde et c'est notre vie, enfin, c'est notre existence. La vie, normalement, c'est bien autre chose. Alors, je ne sais pas si tu es arrivé à te poser ce genre de questions, te disant, mais après tout, est-ce qu'effectivement, il y a une fin ou il n'y en a pas? Alors, s'il n'y en a pas, ben, ça voudrait dire qu'on est dans une matrice, on est dans une matrice qui est un cocon, on est dans une matrice qui est la chenille. Et effectivement, on va devoir arriver à un moment où on devienne ce fameux papillon, ou qu'on déploie nos ailes, parce qu'elles y sont, c'est évident. Mais pour revenir à ce que je disais, donc, moi je suis persuadé qu'on est constitué du divin. Parce qu'il a dit, c'est nommé dans beaucoup de textes sacrés, il a dit qu'à un moment il s'est engendré amour, mais pourquoi ? Il aimait sûrement tout ce qu'il faisait depuis toujours, puisqu'il est éternel, sans commencement ni sans fin. Mais pourquoi il se serait engendré amour? Et là, on en arrive à notre naissance. Alors la réalité, c'est qu'il s'est engendré amour pour que l'on puisse jouir nous-mêmes de son bonheur d'être. Donc pour cela, il fallait qu'il nous crée, il fallait qu'il nous aime, et qu'en retour, on l'aime. Et là, le bât blesse. Des gens le prient, des gens le haïssent, des gens pensent qu'il a du sang sur les mains. Enfin, beaucoup de gens pensent plein de choses, mais arriver à concevoir qu'il est effectivement l'amour et que l'on est doté de la terrible mais toute puissante liberté, ça, c'est très difficile à comprendre. Et pourtant, on sait qu'on est libre. Mais alors, le mot liberté, il est entaché sur tous les drapeaux du monde de sang. Hein. Donc cette liberté, elle existe. Alors on peut dire oui, on peut dire non. On a quelques choix possibles, mais c'est un éventail réduit si l'on regarde bien. Il y a une liberté qui me passionne de plus en plus. Et c'est pourquoi aujourd'hui je peux te parler et qu'ensuite j'accueillerai même Dieu directement. C'est la liberté d'aimer. On n'est pas obligé. Mais qu'est-ce que l'on est heureux quand on aime? Qu'est-ce que l'on est heureux quand on utilise cette liberté-là? Et Dieu, ben, il se donne toujours en exemple. S'il nous demande d'utiliser la liberté d'aimer, c'est que lui-même l'utilise. Alors je vais arrêter de parler en mon nom. Je ne sais pas ce que Dieu va te dire par ma bouche, mais ça fait maintenant 50 ans que j'accueille le Verbe. Je l'accueille même par écrit. Et puis d'autres présences. Tu as certainement entendu parler de Marie, la mère de Jésus, mais en fait l'anagramme du verbe aimer. En fait, c'était le plan B de Dieu. Il y a 2000 ans, il aurait voulu autre chose, par sa forme Jésus. Normalement, les Romains étant sur tout le bassin méditerranéen et plus loin encore, si les Hébreux avaient choisi d'aimer leurs frères, même si c'était des Romains, le monde serait dans la lumière, dans la vie, dans l'âge d'or. Ça ne s'est pas passé. Donc, comme Dieu n'avait plus tellement confiance en nous, ça faisait quand même 2 millions d'années que l'homme avait choisi tout ce qui était le contraire du bien, et n'existait que pour finir en poussière, donc il fallait commencer autre chose. Et Dieu, ben, c'est le Créateur. Et il est allé jusqu'à l'encontre de ses lois, c'est-à-dire que normalement, c'était notre liberté nous permettait de le choisir.
Et on peut le découvrir à partir de n'importe quoi, des mathématiques, d'un caillou, de l'atome, de l'univers. Tout peut nous parler de la puissance divine. Une supernova, c'est quelque chose d'énorme quand même. Le Big Bang, n'en parlons pas. Donc, on ne s'est pas posé ces questions-là, et donc Dieu a fini par aller à l'encontre de ses lois. Il s'est créé sa première correspondance d'amour. Alors c'est très loin, 2000 ans, mais en fait sur 2 millions d'années, c'est très proche. Et Marie, représentant la mère, cet amour qui aime les tout-petits, sans attendre rien en retour, a été effectivement la mère pendant 2000 ans. Mais depuis maintenant une centaine d'années environ, elle est ta sœur, elle est ma sœur. Et comme c'est un esprit, obligatoirement, elle peut nous aimer et on peut l'aimer avec notre manière d'aimer. Ben voilà, je pourrais te parler pendant, pendant des heures, des jours, sans m'arrêter. Mais maintenant, je vais accueillir Dieu, c'est-à-dire fermer les yeux. Mais je ne vais pas les fermer d'ailleurs, parce que j'aime bien voir dans quelle position je me tiens, etc. Mais c'est pareil, je vais en fait fermer les yeux pour accueillir Dieu, pour qu'il parle par ma bouche. Je ne sais pas ce qu'il va te dire, ce n'est plus moi qui parle, j'y laisse la place, après tout, ma langue, mes lèvres, ma gorge, tout mon système respiratoire, c'est lui, donc je peux lui prêter, hein. Et puis il est le Verbe, bien mieux que n'importe quelle personne, il est le Verbe. Or lui, il connaît la puissance du Verbe, puisqu'il suffit qu'il nomme quelque chose pour l'obtenir. Donc j'aime qu'il te parle, et puis après, ben, tu verras bien ce que tu veux faire avec ça, si tu tombes sur cette lettre ouverte que je te fais aujourd'hui en début de cette vidéo. Ça, c'est mon chien. Voilà. C'est fini? Sois sage. Alors, mon Dieu, mon aimé, j'aime que tu parles à Monsieur Serge Lama. Donc à Serge, et que tu le nourrisses vraiment de vie et que tu lui dises ce que tu as à lui dire. Mon chéri. Oui, je sais, je suis peut-être un peu trop tendre. Mais je suis l'amour. Comment veux-tu que je m'exprime autrement? Et si j'ai la possibilité de m'exprimer par quelqu'un, aujourd'hui c'est Roland que tu entends, qui accueille mon verbe, mais je te dirais, il y a des milliers, des millions de personnes sur la Terre qui sont capables de m'accueillir. Il y en a qui reçoivent de l'écriture automatique, hein. Et puis il y en a que non. Il y a des créatures humaines qui, pendant une vie entière, ne vont pas s'intéresser à moi, alors qu'ils ont côtoyé ceux qui étaient malades, graves, ou même eux-mêmes, qu'ils ont côtoyé la mort obligatoirement, qui les a effrayés, ou qui leur a fait se poser des questions, mais pas plus. Alors bien sûr, le monde rejette assez facilement tout ce qui est clérical, et ce n'est pas, même pas ce pape, aujourd'hui, même s'il est dans une certaine révolution de pensée, qui peut vous prouver ce qu'est véritablement la foi. Il ne guérit même pas une entorse, alors que j'ai bien dit sous ma forme Jésus, celui qui croit en moi fera ce que je fais et des choses plus belles encore. Et tous mes disciples qui accueillent le Verbe font des guérisons, même des miracles. Je peux faire des miracles et je peux les faire aujourd'hui. Pourquoi penser que c'était valable il n'y a que 2000 ans et pourquoi pas il y a 4000 ou 6000 ou 8000? Parce qu'on n'est pas obligé de s'arrêter à Jésus. Il y a eu Moïse, il y a eu Krishnarama aux Indes, il y a eu Quetzalcoatl au Pérou, il y a eu Hormozd en Perse. Tous les 2000 ans, je reviens sur la Terre. D'ailleurs, il y a quelque chose de très curieux. Vous êtes en 2015 et je ne suis pas revenu. Ce qui semble anormal puisque j'avais fait une promesse et que mes étapes, ce sont tous les 2000 ans. Mais en fait, je suis revenu.
Le monde entier a su. Les hommes politiques ont su. Les acteurs ont su. Les hommes de lettres. Tu pourrais poser la question à Jean d'Ormesson. Tu pourrais poser la question à Robert Hossein, à Michel Drucker, plein d'autres de ces générations qui ont su et qui n'en ont rien fait ou qui améliorent leur existence. Toi, aujourd'hui, tu apprends. Qu'en feras-tu? J'ai tellement œuvré. Il y a tellement d'adversités qui vous ont blessé que vous êtes effectivement les chairs à vif. Mais c'est tout simplement qu'il fallait que je vous enlève vos vieilles peaux. Donc à partir de cette année, tu es libre. Libre. C'est pas simplement un éventail de choix. C'est que surtout à partir du moment où tu peux entendre ce que tu entends en cet instant, sache qu'obligatoirement sur le monde, tout est donné. Tout est donné avec une splendeur, une vérité, une beauté dans certains endroits. Mais, comme je ne peux pas encore féconder celui qui fait les actes, cela reste encore sur les voies d'Internet, cela reste encore dans la rue. Mais cela ne va pas plus loin. Alors que si mes disciples avaient la foi totale que j'ai toujours voulu qu'ils aient, c'est l'hôpital qu'ils videraient. Tous les hôpitaux feraient marcher les paralysés, feraient voir les aveugles. C'est normal. Lorsque je me donne, j'élimine le mal. Et donc, si je suis revenu à un moment et que tu ne l'as pas su, sache qu'effectivement, je suis venu encore pour faire une œuvre, une création que tu ne connais pas, mais dont tu bénéficies. Je suis venu engendrer à votre place ce que vous ne vouliez absolument pas mettre en œuvre, et depuis 2 millions d'années, des sentiments humains, l'horreur de toute souffrance, la passion du bien, le besoin de l'autre. Cela existe à un niveau tellement minimum, je ne te parle même pas des guérisseurs. Celui qui sait ce que je suis a le pouvoir de rémission du mal. À partir d'aujourd'hui, si tu le veux, tu l'as. Je te donnerai les éléments pour effectivement concrétiser cela en toi. Et c'est prodigieux, et en même temps c'est tout petit, parce que je suis bien autre chose. Je suis l'être. Alors j'aime que tu réalises, Serge, que, selon ma promesse, je suis revenu sur la Terre. Le monde entier en a entendu parler, en 1950. C'était capital. Vous aviez les moyens de la pulvériser, la planète. Et j'ai dû tricher là encore, parce que normalement vous aviez déjà dépassé la masse critique et encore quelques bombes atomiques et vous pulvérisez effectivement toute la planète. Pas l'univers, l'univers. La planète Terre n'est qu'une bille, n'est qu'une tête d'épingle. Mais l'univers était fait pour vous, pour que tu puisses lever la tête, être inspiré lorsque tu regardais la lune, pour que tu puisses être émerveillé par les étoiles, pour que tu puisses avoir un soleil qui te chauffe juste ce qu'il faut, qui brûle exactement comme il le faut, pour te protéger, pour te donner la possibilité de voir des moissons. Tout cela était pour toi. Et si je ne t'avais plus, à quoi bon garder l'univers? J'aurais peut-être réensemencé une autre planète, où j'aurais tout refait de neuf, où j'aurais tout refait en mon esprit, sans même concrétiser de nouveau la matière. Ben je ne sais pas, je ne l'ai pas fait, puisque vous êtes là, et que tu m'entends aujourd'hui. Je t'aime, Serge, entends cela. Je suis l'amour, je ne peux pas être autrement. Je t'aime de toute ma tendresse. Tu existes, c'est toi qui existes, pas ton grand-père ou ton arrière-grand-père. Il est en moi, ne t'inquiète pas. Tous ceux qui sont partis de la Terre sont dans ce cocon que je fais, que je continue de vouloir garder en moi. J'ai des dortoirs immenses, si tu veux. Mais ils ne peuvent vraiment s'éveiller, être touchés, que si toi, leur progéniture, veulent effectivement comprendre, concevoir cette vie que je te propose aujourd'hui. Donc je me suis remanifesté. 1950, le monde entier a entendu parler du fameux Christ de Montfavet. Alors bien sûr,
à côté de ma demeure, magnifique demeure d'ailleurs, à côté de ma demeure, il y avait un hôpital psychiatrique. Alors il était facile pour certains de penser qu'il y en a qui se prennent pour Napoléon, pourquoi une personne qui avait perdu l'esprit pourrait se prendre pour Dieu. Mais de toute façon, tu aurais pu savoir. Mais ne t'inquiète pas, j'ai eu le même modèle que toi devant moi pour pouvoir le nourrir, pour pouvoir le chérir, pour pouvoir vraiment lui prouver mon amour. Et aujourd'hui, Buzz, le goût de Roland, il a envie, parce que tu le touches, par cette sensibilité que tu as, par cette forme de vie, d'existence améliorée que tu t'es donnée, donc aujourd'hui, il a voulu m'accueillir pour toi. J'aime me manifester pour toi. Les choses vont bien, même si quelquefois il y a des accrocs, mais cela va mieux qu'au moment de ton accident, car là tu ne savais pas du tout ce que serait ton lendemain. Et aujourd'hui, j'aime que tu ressentes profondément ma présence. Serge, je te le redis encore, je t'aime. Je ne veux pas te dire tu es mon enfant, même si c'est vrai. Mais tu es un adulte très agréable et très intéressant. Tu as encore des manques, des défauts, mais tu sais aussi te servir de cela pour créer des qualités à la place. La seule production que tu n'as pas encore aimé faire, c'est par rapport à mon être. Et je l'appelle aujourd'hui. J'aime te protéger, te chérir. J'aime protéger ton foyer. Et cette bénédiction que tu vas recevoir, c'est une réelle bénédiction. Ce n'est pas le signe du supplice de ma forme Jésus sur la croix. D'ailleurs, si tu regardes bien, ce n'est pas un Dieu qui est sur la croix, c'est l'image de l'homme. Mais par contre, c'est le point rayonnant la lumière. C'est effectivement la capacité de pouvoir faire en sorte que ce qui est tiré du néant, qui existe un tout petit peu, puisse prendre son amplitude. Et cette bénédiction que je fais sur toi, mon cher Serge, elle met dans ton corps une nouvelle réalité, une nouvelle vigueur, une nouvelle santé. Et en te bénissant toi, je bénis effectivement tous ceux qui te côtoient, ta famille bien entendu, ton foyer, car le foyer est véritablement sacré. Il a une essence prodigieuse, une capacité d'être lié, la possibilité de former un bloc, et par la diversité, de pouvoir être un rayonnement. Je voudrais moi aussi te parler très longuement, mais en cet instant, j'aime d'abord te bénir. Éprouve cela, Serge. Ferme les yeux. Ressens profondément cet amour qui est délicieusement mis sur cette vidéo, sur Internet. Mais tu sais, je suis l'ordinateur. Et j'aime qu'en cet instant, tu ressentes ma présence. Je te bénis. Et bénis particulièrement ton foyer de tout mon amour. De toute ma lumière. Et cela est. Je vous laisse mon numéro de téléphone. Mais deux numéros de téléphone, on ne sait jamais. Donc 04 90 82 36 24 et le portable 06 33 35 04 49. Vous voyez, en Provence, on a un magnifique soleil, hein? Assez éblouissant. Donc pourquoi pas, à très bientôt.